Oui, c'est quand on arrive en troisième, en fin de troisième, si on a des notes à peu près correctes, on ne va pas chercher à comprendre. Les profs vont vous dire où vous allez en général. Vous arrivez en seconde, vous avez des notes toujours correctes. Bon, vous allez en S. Hein. Voilà. Vous avez des notes plus ou moins normales, vous allez en ES. Et vous avez des bonnes notes en français, vous allez en L. Grosso modo, c'est ça. S'il n'y a pas une personnalité dans l'élève qui dit « Je veux faire ES, je veux faire L, je veux partir en STL, je veux faire STIR appliqué », l'élève ne sait pas trop ce qu'il va faire, il va faire S parce que leur prof lui a dit de faire S. Et il se plantera peut-être en S. Donc là aussi, il y a peut-être un problème au niveau de ça. Mais moi, je suis frappé de ça parce que c'est à peu près le 20e lycée où je vais, le 20e département où je vais ce matin, et c'est la 20e fois qu'on me dit ça. C'est vrai? Et alors, donc c'est vrai, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien ou est-ce qu'il faut changer? Parce que ça peut être vrai et bien.